Du coup, la reine, elle est ouf ici. La reine. Du coup, les villes ont un peu changé. On a la reine juste ici. Ok, bon. On va faire du coup les quelques petits dresseurs pour histoire de s'entraider. Normalement, ils vont être petits proches. Ah. Putain, mais c'est beaucoup trop bien celui-là, du coup. Il combine les deux types, du coup. Il combine les deux types! Donc du coup il est résistant. Allez. Vache! J'aurais pas dû envoyer lui. Toi par contre tu vas être très chiant. Tu vas être extrêmement chiant. Oh la vache! Comment vous dire que je suis dans la merde? Ok, bon, très bien. Très bien, très bien, niveau 12. Parfait. Parfait, parfait. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant parce que Nidoran, étant donné qu'il est type poison, il neutralise les effets des attaques type combat. Donc, bah ouais, du coup, c'est relou. C'est très relou. Allez, soigne Pokémon, s'il te plaît. Merci d'avoir attendu. Et puis, on est reparti. On est reparti, les amis. Il y a encore un autre dresseur en espérant qu'il n'ait pas un Pokémon qui lui permet du coup d'avoir un combo résistant au type combat, parce que ce serait très chiant. Insecte. Normalement, il n'y a pas de raison. Ah bah si, du coup, insecte, c'est résistant au type combat. C'est très relou. Du coup, tu as quoi? Sandjude. Il est tellement marrant. Merci beaucoup. Ok. Niveau 9, j'aime bien, j'aime bien. Parfait, les amis, du coup, nous avons tué tous les dresseurs. Niveau 9, je suis pas sûr que ça passe. Hein. Niveau 9, je suis pas sûr que ça passe. En plus, ce serait quand même intéressant de le fusionner à un autre Pokémon, histoire 2. Mais il n'y a pas d'autres Pokémon intéressants. J'ai pas vu Nidoran en bas. Mais après, je suis pas sûr qu'avec Nidoran, il soit stylé aussi. Ça, le truc. J'ai pas d'autres zones, donc j'ai pas d'autres possibilités. J'ai un peu accès à celle-là. Oh si, j'ai accès à celle-là. Nickel. Écoutez, les amis, on va regarder un peu ce qu'il y a ici. Non, toi, tu m'intéresses pas. Alors, je te fais pas après, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rukul, non, du coup. Rukul, tu m'intéresses pas et tout. On va plutôt mettre... Non, c'est pas ça. Switch up. On va mettre El Guepo, histoire qu'il récupère quelques niveaux de plus. Surtout qu'on a l'air d'avoir pas mal de piaf ici. Hein? Tournegrin et Piafabec? Je crois que c'est Piafabec. Sanjay. Berceuse? Quel enfoiré! Berceuse, il se heal avec mes. Allez, c'est walk up. Allez, nickel, on le tue. Mais c'est assez spécial lui, hein. C'est très très spécial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, Sparrow. Si tu veux, l'ami. Si tu veux. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'autres types de Pokémon intéressants. Donc, il n'y a pas d'autres herbes. Non, ça va vraiment être les seuls du coin. Et je suis pas sûr que je puisse aller plus loin. Ah, Nidoran! Là, tout de suite, c'est intéressant. Nidoran mâle. Bah, en vrai, Gaul fusionné avec l'autre. Gaul fusionné avec l'autre. Du coup, j'aurais type poison combat. Sympa, en vrai. C'est marrant. Guapo passe au niveau 8, enfin elle foudre Guapo passe au niveau 8. Non. Et du coup, on va utiliser le Delna Splicer entre Luffy et Nidoran. Et du coup, ça va donner quoi? Bah plutôt comme ça. En vrai. Ou alors comme ça. Ah, j'hésite, les amis, j'hésite. Hein. J'hésite, j'hésite. Allez, comme ça. C'est parti. On est parti, les amis! Nouvelle fusion! Allez, sois stylé! Sois stylé, s'il te plaît! Je ne dirai rien! Deal more damage to a foe of the same gender. Oh, pas mal ça! Ah, c'est écrit en bas! D'accord! Ça, c'est plus attaque, moins défense. Ça, c'est plus défense, moins défense spéciale. Lonely, ça peut être pas mal, confirme. Combine moveset.
Ça, ça peut être intéressant du coup. À la place de ça, on a pris. Ok, nickel. Bah, écoutez, les amis. Non, on va pas les infuse. J'en ai plus que deux du coup. Switch. Allez. On va faire quelques petits combats avec ce Pokémon là pour voir si ça peut être intéressant. Avec un Nidoran femelle. Du coup, on est type poison combat. Alors, par contre, du coup, les types psy nous défoncent. Pas très clairement. Contre un Pokémon de psy, on prend tarif. J'ai pas un petit combat dresseur, voilà, ici. Pour essayer d'XP un peu. Un Miaous avec. Avec un Espico. Mais. C'est quand même plutôt faible comme technique. J'ai que deux potions. Je vais pouvoir récupérer. Non, c'est pas ce que je veux faire. Fight. Karaté Chop. Nickel. 203 XP. Double Kick. C'est intéressant, plus intéressant. Parce que du coup, tu fais 2 fois 30, donc 60. C'est un peu plus intéressant. Toi, ici, vas-y. Ah bah, combat-moi. Comme ça, si je pouvais monter à niveau 10 au moins. Ça pourrait être cool. Pidgeotto. Ah, c'est un. C'est un Roucoups avec un Rattata. Allez, double kick. Ah, je prends ultra cher. Je prends ultra cher. Allez, Elfoudre Guapo. Viens à la rescousse. Avant, on prend extrêmement cher. On prend ok. On prend extrêmement cher pour une attaque de type vol. Je suis pas sûr qu'un type électrique ait une résistance au type vol. Ok, Michel passe au niveau 12. Michel passe au niveau 12. Pour le moment, on a toujours pas trouvé de prétendant à Michel. On a un hôtel à côté. Je regarde si je peux acheter quelques potions. Si, je peux acheter quelques potions. Je peux en acheter 6. Je peux en acheter 6. Voilà. Ce qui va me permettre au moins de faire un peu mieux le champion. Parce que là, du coup, dans les Pokémon, j'en ai quand même 3 qui vont me servir à rien, très clairement. Après, faut quand même compter aussi que le champion va avoir des Pokémon fusion. Donc, potentiellement, je peux avoir mes chances avec des doubles types, du coup, qui sont pas de base dans le jeu. Et qui, du coup, pourront me permettre de faire des dégâts puissants. Allez, vas-y, du coup. Combat-moi. Pardon ? Attends, qui m'a dit ? Ouais, Pokémon Org active, you still want to find me, then, a gym battle, you are only allowed to use as many Pokémon as the gym leader. Using two Pokémon. Quoi ? Je peux utiliser que deux Pokémon ? Je peux utiliser que deux Pokémon ? Mais c'est quoi cette arnaque ? Ok, Rock Polish. Ça fait mal. Ouais, j'ai réussi à le tuer, mais ouf. Il fait mal. Et du coup, après, c'est un Onyx avec quoi? Avec un Topiqueur. Allez, utiliser. Alors, par contre, c'est pas fameux, ça. C'est vraiment pas fameux. Ah, la vache! Il m'a démoli! Il m'a démoli! Mon dieu. J'ai pas de Pokémon type plein. Il y a Tournegrain, là-bas. Il y a Tournegrain, en vrai, ça peut pas être intéressant. Mais, putain, je peux utiliser que deux Pokémon. C'est ça, le hard mode. C'est grave chaud. Allez, vas-y. Bah, je vais me faire quelques dresseurs pour monter un peu d'XP. Waouh, t'as une tête chelou, mec. Une attaque de type psy, bah, évidemment. Évidemment. Un petit Thunder Shock. Ah, la vache. Ok. Non mais t'es confus de base. T'es pas censé pouvoir attaquer. Alors attaque cool. Vieux attaque. Mais heureusement. Les amis, heureusement que j'ai pas fait un Nuzlocke. Hein. J'aurais 10 000 fois perdu là. J'aurais 10 000 fois perdu. Poursuite. Le Tailwhip. Tailwhip. J'en fous un peu de ça. Ok, bon. Est-ce que j'ai pas d'autres herbes? J'ai des herbes ici. J'ai rencontré un Pokémon intéressant. Un tout doudou. C'est pas vraiment le genre de Pokémon que j'appelle intéressant, mais bon.
J'ai l'air de pouvoir aller jusqu'au prochain centre Pokémon. Donc, en soi, ça peut être cool. En fait, je suis vraiment pas obligé de faire les arènes. En fait, je peux avancer tranquille. Le jeu, il me stoppe pas du tout. Après, je pense que l'aventure n'avance pas, du coup. Mais là, j'ai un Magikarp ici que je peux récupérer. Que je peux acheter. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de fusionner mon Pokémon avec un Magikarp? Ça, je sais pas. Après, une fois qu'il sera niveau 20, c'est Ravator. Et là, tout de suite, c'est plus stylé. Du coup, ouais, effectivement, il y a l'air d'avoir quelqu'un de dehors. Donc, je vais pas pouvoir passer. Allez, hop, sans attaque. Ça me fait pas grand-chose. J'aimerais au moins battre le champion d'arène. Tout doudou avec lui. Ok. Oui, tu es cute, mais je te tue. On s'en fout. Ok, bon. J'ai pas d'autres Pokémon dans le coin. En vrai, c'est assez pauvre en Pokémon. J'ai encore un Monkey. Un Ferro-Singe. Écoutez, j'ai pas l'air d'avoir d'autres Pokémon. Il y avait un Tournegrain. Ça pourrait être intéressant d'avoir un Pokémon plante. Pic-pic. El Fudroguepo. Thundershock. Ok, nickel, 84 d'XP, c'est plutôt intéressant, ma foi. On retourne ici. Parce que le problème, en fait, c'est que il faut que j'utilise un pointo ADN pour défusionner. Donc, niveau économie, au début du jeu, c'est pas intéressant. Surtout qu'en plus, si je prends un Pokémon haut avec... Enfin, un type haut avec... J'utilise Magikarp. Je suis pas assez haut level pour avoir des capacités comme Écume ou... parce que le Magikarp apprend rien. Donc c'est pas intéressant en soi. Et j'ai vraiment pas d'autres Pokémon. Double Kick fait très mal. Hein. Il fait extrêmement mal, Double Kick. Hein. Donc en vrai, bah, j'ai que la solution d'XP et Pokémon en fait. Je peux que XP et Pokémon et bah prier pour que ça passe quoi. Oh le tout doudou Pikachu. Il est magnifique. Electro Ball. Vive attaque. Michel. Il va faire mal. Il va faire mal. Ok, j'ai réussi à le tuer. Michel passe au niveau 13. Pratiquement niveau 14. Ok, ok. Mais bon, du coup, j'ai toujours pas monté de niveau. Nidoran, je sais même plus à quel niveau il évolue. Je crois que c'est niveau 15 ou niveau 16. Parce que... Pichu, c'est hein, j'attends qu'il évolue pour l'instant, parce que c'est à bonheur. Il faut quand même monter de niveau, donc en soit comme je suis au début du jeu, le bonheur il va pas monter très rapidement. Mais bon, écoutez, j'ai encore un petit dresseur ici à battre. Normalement, ça va être un dresseur de Pokémon type insecte. Donc théoriquement, voilà. Théoriquement, j'ai de quoi tuer assez facilement. Après, voilà, je suis pas de type vol, donc quand même les dégâts sont moins impressionnants. Non, je change pas de type. Serpi. Poursuite, voilà, du coup tu fais pas grand chose. Ça c'est pas très puissant. Bug Bites. Ok. Le combat s'est plutôt bien démerdé, niveau 11. T'as fusionné tous tes Pokémon insectes avec des Piafabec en fait, c'est ça? Allez, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'ai réussi à tout tuer, 125, on est pratiquement niveau 12. Tu as pas combattu toi? Oh, on peut recombattre les dresseurs! Et du coup ils sont plus puissants, c'est ça? Aïe! El Fudroguepo. Ah, la bulle d'eau qui fait mal! Confusion. Allez, Michel, mais j'aurais pas dû envoyer Michel. je vais prendre Tarif. Griffe. J'ai eu de la chance qu'il a pas utilisé Bulldo jusque là, mais... Ratacool. Ratacool a bientôt évolué, en vrai. Might. Parfait. Nickel, niveau 14. Bientôt évolué, lui. Ah, du coup, j'ai plus qu'un Pokémon. J'aurais pas dû passer par là, parce que j'ai plus qu'un Pokémon. Ok, nickel. J'avais essayé d'esquiver. Et c'est vrai qu'on peut recombattre les dresseurs, mais à chaque fois qu'on les combat, ils sont plus forts. Genre là, si je vais combattre, à mon avis, il sera à niveau pratiquement 20, tu vois.
J'avais vu ça dans le. Dans le. Comment dire. Dans le déroulé. Merci. Est-ce que tu penses que ça passe là maintenant? Je suis niveau 11, niveau 13. Parce que le problème en fait c'est que toi tu prends trop cher. Toi tu prends beaucoup trop cher. Est-ce que j'essaye pas d'avoir un Pokémon plante quand même? Un petit Pokémon plante. Out. Pokémon et Foudre Guepo. Parce que là du coup je prends beaucoup trop cher. Non, c'est pas ça que je veux faire. Thundershock. Et encore un, et t'es mort, merci. Un peu d'XP, c'est pas fou. C'est clairement pas fou. Toi, t'avais pas des Pokémon faibles? Histoire 2, on va essayer. Un Pidgeotto, niveau 14. Ouais, double kick. Alors, tu vas être type normal. Ouais, donc tu étais type normal vol. Ok, c'est le chaos. La fille qui passe au niveau 12. Il va prendre poursuite. À la place de lire. C'est intéressant. Il est passé niveau 12. On va essayer de le combattre comme ça. Niveau 12. Parce que le problème en fait derrière c'est qu'il me fait beaucoup trop mal. Donc. Ok. Allez, c'est parti. On va retenter le champion. Allez. En espérant cette fois-ci gagner. Ce serait quand même pas dégueu. Allez. Je peux te challenge qu'avec deux Pokémon, donc on va prendre Luffy, on va prendre Ratacool. Parce qu'il est niveau 14, j'ai plus d'attaques qui permet de toucher en neutre. Allez. On a double kick. On a pratiquement le one shot. Hein. On a pratiquement le one shot les amis. Non du coup. Envoie-moi ton Pokémon. Nickel. Le double kick qui tue presque. Il a pas utilisé de soins. Et les amis, c'est passé nickel. C'est passé nickel. Poison String, Sting, c'est que 30, ça. À la place de Combo Griffe. Nickel, les amis. On a obtenu, du coup, le premier badge. On a obtenu Rock Tomb. Interactive. On a obtenu un moine première Wonder Trade Ticket. C'est quoi ça? Oh, on a même des félicitations. C'est quoi le Wonder Trade? Je peux faire des trades. Attendez, on peut faire des trades intéressants. Peut-être ça passe ici. On a un étage ici. On va aller voir. C'est ici. Un trade de Pokémon with a random trainer for the world. Ok, nickel. Ok, ah, c'est un Pokémon. Ouais, très bien. Alors, attendez. On va aller chercher lui, là. Et on va l'échanger à l'international. Alors, hop, ici, on va trade. Allez. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Mimiki Kenotor. Mais il est beaucoup trop stylé ce Pokémon. Mimiki Kenotor. Ah mais il est trop cool. Eh mais il est beaucoup trop cool lui. C'est combien Wonder Ticket? Ah d'accord, c'est 4000. No, every single move a Pokémon. Oh, on peut rapprendre une attaque qu'un Pokémon a obtenu. Très bien. Mais du coup, on a obtenu un Mimiki Kenotor. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop bien, les amis. C'est vraiment beaucoup trop bien. Bah écoutez, les amis, on va juste du coup aller à la grotte. Pour voir si on peut pas capturer quelques Pokémon à l'entrée. Pour essayer de se faire un. Ah, oh, Kané, on a encore un autre truc ici. Je suis l'assistante du prof Shen. Je faisais des choses par ici et incredible, you're only got 6. Ah, il faut vraiment que tu vois ça. Wild hidden ability of this route. I saw one of them in this very patch of grass. Ah, d'accord. Si le Pokémon a une capacité cachée, on le voit directement dès le début du combat. Bah, attendez, on va regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une capacité cachée?
Et apparemment non. Apparemment non, mais écoutez. Écoutez. J'aimerais bien essayer de faire évoluer Ratacool. Non. Et après, il faudrait que... Comment dire? Faudrait que... Je fasse évoluer Drake. J'avais pas fait ce dresseur là, d'accord. Allez, vas-y. Du attaque. Ok, ça passe nickel. Ça fait un peu mal. Ça fait un tout petit peu mal. Non, change de Pokémon si tu veux. Picaron! Mais il est beaucoup trop mignon ce Pokémon! Morsure. Electro Ball! La vache! Michel! Vas-y! Ok, Poison Sting, ça se fait mal. Electro Ball, ça fait ultra mal. Pikachu Nidoran, c'est beaucoup trop mignon ça comme Pokémon. Oh no! Bon, alors j'ai battu tous les dresseurs du coin. On va soigner et on va faire du coup une dernière fusion, les amis. En essayant de capturer du coup les Pokémon. Bah. Mais elle est où là? Mais. Mais c'est quoi ce blême? Y'a pas de. Ah, là, ok, d'accord. Ah, Pierre est là, d'accord, il y a une histoire en plus, très bien. J'étais un peu surpris, je me dis, mais elle est passée où l'infirmière? Anyway, you might be able to strike this better than Ken, you're the rock. Un Pokémon expert. Ok, nickel, du coup, ils ont blessé un Pokémon. C'est la Team Rocket, du coup, qui est dans la zone. Ils ont un peu modifié l'histoire, c'est cool en vrai. This attack and when after, knowing your skill and power, I can't think of anyone else who would be more sweet but for you. Ok, d'accord, donc il ne voit personne de mieux placé que nous pour régler la situation qu'il y a dans la grotte. Allez, soigne le Pokémon, s'il te plaît. Merci beaucoup. Du coup, il faut qu'on... Comment dire? Qu'on monte un niveau, parce qu'il me semble que c'est niveau 15 qu'on va évoluer. Regardons un peu les Pokémon de la zone. Un Melo. Est-ce que j'ai envie de... Comment dire? De fusionner mon Salamèche avec un Melo? Pas sûr. Encore un Melo. Je suis toujours très peu sûr de moi. Ok. Sing. T'es sérieux? Non mais c'est dégueulasse! Merci beaucoup. 33 points d'XP. Allez, s'il te plaît. Donne-moi un Pokémon sympa pour faire une dernière fusion. C'est pas ce que j'appelle une Pokémon stylé, en vrai. En vrai, ça pourrait être intéressant de l'avoir, parce que je suis sûr qu'il y a des attaques intéressantes, des Pokémon intéressants à avoir avec lui. Mais j'ai pas énormément de Pokéball. Donc pour le moment, voilà. Je sais pas, un petit Riolu, par exemple. Genre, ça peut être stylé, un petit Riolu. Non, tu veux pas? Alors, on donne pas de prénom, de surnom, parce que ça sert pas à grand-chose pour le moment. Encore toi, mais du coup, c'est toujours non, en fait. Allez, hop. Et un petit V-Attack pour te terminer, 59 points, bientôt niveau 15, parfait. Il me semble que c'est niveau 15 qu'il évolue, hein. Ça compte peut-être des conneries, mais en Roucoups du moins, il me semble que c'est à ce niveau-là qu'il évolue. Ok, niveau 15, parfait. Eh ben, j'ai dit la merde, j'ai complètement dit la merde. On va du coup envoyer El Foudro Guepo. On va chercher encore 2-3 petits Pokémon, et puis du coup après on arrêtera là pour cette session. Oh, Sabelette! En vrai, Sabelette, c'est pas dégueu, hein. C'est clairement pas dégueu, hein. On va envoyer Luffy. On va clairement envoyer Luffy. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Double kick. Ok. C'est passé. Un petit... nickel. Un petit spin. Allez, Pokéball. C'est du coup Sablero. Après, du coup, je pourrais le défusionner de base. Mais avoir un type feu sol, en vrai c'est pas dégueu. Après c'est vrai que j'ai le petit Nosferapti en vrai. Après je suis pas sûr que l'autre avec Nosferapti soit intéressant, mais bon on va du coup move ici et on va move avec du coup shift back, hop, place.
Merci beaucoup. Bag, du coup, DNS passe. Ah, j'en ai deux en fait. J'en ai obtenu un autre. Et je fais quoi? Je fusionne les deux là ou je fusionne avec lui? Je tenterais bien la fusion avec les deux là. Et garder le dernier pointo pour un autre Pokémon dans la grotte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a. C'est plus intéressant pour moi, Poison Ground, que Vol. Sauf qu'en plus, il a pas l'air fou, là, ici. Ah, quoique. En vrai, lui me plaît plus. Hein. Lui me plaît carrément plus. Hein. Allez, les amis, qu'est-ce que ça peut donner? En vrai, il est stylé. Hein. En vrai, il est grave stylé, celui-là. Hein. Du coup, là, c'est Boost Pokémon Evision in the Sunstorm. Pokémon is protect from Fleeching. Très bien. Et là, du coup, on a Spécial Défense, attaque moins. Et là, on a plus d'attaque. Peut-être plutôt intéressant. Combine move 7. Absorbe à la place de Poison Sting. Et Supersonic, User Regenerate, Out Sound Worm. Et Confuse the Target. Ça sert à rien, ça. Anthony. Ah, une petite attaque de type spectre en vrai. En vrai. Mais non, ok, on a... le reste est assez intéressant. Morsure. Non, morsure, non. Parfait, bah écoutez les amis. On va du coup récupérer notre dernier Pokémon ici. Hop, move. Dans notre équipe. Hop. Merci beaucoup. Et puis bah, les amis, on va s'arrêter là pour cette session. Normalement, il y a à peu près 2 épisodes de tournée avec cette session-là. J'espère que ça vous aura plu. On a quand même une petite équipe qui est plutôt stylée. On n'a pas que des Pokémon fusion. Mais du coup, on a Elfudo Guapo qui va bientôt devenir un Pokémon extrêmement stylé. On a Michel qui, pour le moment, est toujours un salamèche. On a notre Roucoule Ratata qui, je pense, pourrait être très cool. On a notre petit Nidoran... Nidoran Ferro-Singe. On a notre petit également Nosferapti Sabelette. Et on a également le fameux, comment dire, Mimiki et Kenotor. Voilà, qui est de type normal fée, et qui pourra peut-être devenir au fée, qui pourrait être plutôt intéressant. Dans tous les cas, j'espère que cette session vous aura plu, que ces 2 premiers épisodes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Quant à moi, je vous rendez-vous dans un prochain épisode. C'était Akane, allez, ciao.